Salut MG. Je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée? Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin. Mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles et toi? Ouais. Ouais. Pas simple ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer? Annoncer à sa copine. Se fait virer. Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef. C'est assez pratique en ville. Mais je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait virer. Oh. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais. Je sais, j'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas... ça devrait aller, parce que tu es leur meilleur journaliste. Y'a quoi là-dedans? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques? J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond? Ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. Mère a hypothéqué la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste que je libère du temps. C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben... tu pourrais vendre la maison. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais... je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non. Je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. Mais c'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison? Bon argument. Hé! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout ça est à mai? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais... pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes? Des vieilles photos de toi trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vues.
Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi elle a pris ça en photo? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Oh, trop mignon! Comment Oncle Ben faisait pour toujours s'endormir là-dessus? La nostalgie, ça frappe sans prévenir. Ça a encore l'odeur de mai. Ça rendrait bien des bougies ici. Ça se fait des bougies dans les salles de bain, non? Où est-ce qu'il était, ce trou? Mais... avec tes lunettes énormes. Oncle Ben, quelle classe! Quel bruit? Oh, Peter. Oh, j'ai... j'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge... J'étais chef du club d'éloquence, capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors, j'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour.
Mais avait peut-être raison. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir MJ. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non, mais je vais vite le savoir. Oh ! Oh ! MJ ! Oh, Rick ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolé. Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour May. Je suis désolé. Et comment c'était... l'Europe ? En fait, j'étais soigné en isolement, ici, à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis... en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island, comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça ? Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en Simcarry. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi ? Non mais tu rigoles ? Tu veux entrer ? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Oh ! Attends, c'est ma vieille bécane ? Non, je l'ai trouvée sur internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais, grave. Hey, y a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas mon vélo ? Vrai ? Ouais, on va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller ? Oh ouais, je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer, mais j'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final. Alors, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'a autant occupé ? Surtout de la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris aux maths. J'ai lu des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade ? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve ? Oh ! Un truc expérimental. C'est... extrême ? Je suis vraiment désolé, Harry. Attends, on est à Midtown High ? C'est ça notre destination, en fait ? Je peux ni confirmer, ni infirmer. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Merci. Suis-moi. Tu nous ramènes là ? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi ? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain ? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On
On y va ? La voie est libre. Viens ! T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier ? Quasi sûr. Quoi ? T'étais sûr ? J'étais sûr ! Enfin, je le suis ! Mais pourquoi tu reposes la question ? C'est Eric Labourique. Qu'est-ce qu'il fait là un vendredi soir ? Bah, il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars, elle est top des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les... Vise quelque chose de bruyant. Cette équipe à l'approche de la phase finale. Non, trop salissant. Chut, attention, plaquage imminent. Oui. Oh, joli. C'est très bien défendu. On revient maintenant sur le home plate. Un petit bug. Retrait. On veut faire du bruit, pas dégrader le bâtiment. Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ? J'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh sérieux, c'est parfait. Ouais. Guérir le monde, on prend. Bon, le seul obstacle entre nous et un monde meilleur, c'est cette fiche. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin, hein. Cache-toi. Il nous a vus ? Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Hey, qui est là ? Ça va mal, ça va mal. Allez. Oh non, non, j'ai plus que ça. Je cours. Où tu te caches, petit merdeux ? Je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein ? J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Gymnase, gymnase, casier. Facile. La voie est libre. En avant. C'est quoi ça ? C'est mort. Hey ! Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. C'est forcément un gamin. Le fantôme de Midtown, c'est qu'une légende. Les aérations, un royaume des araignées. Ok, où j'ai rangé mon fluide de toile ? J'avoue, elle a un petit côté culte des héros. Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah ! Trouvé ! Mince ! Okay. Oh, fair.
Salut, toi. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre Harry au gymnase. Oh, le gymnase est de l'autre côté des hélices. Je dois traverser. Mon vieux sac à dos. J'avais oublié qu'il était là. Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Je vais taper un sprint. Hop, 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 reste où t'es, petit. Arrête de courir maintenant. Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Oups, surtout pas par là. Ok, voilà. On vient pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme, juste une araignée. Parce que franchement, ils ont l'air bien mouillés aujourd'hui. Et compte plein pour le batteur. Maintenant, on va voir si... La vache. Je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même. Mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Yes! En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc? Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours, avec le temps. C'est quoi le score? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais c'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances? Tu saurais retrouver ton ancien casier? Tu crois qu'il est passé où, ce gardien? Sûrement dans le bâtiment ouest. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Mmh.
Flash doit payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. On se dit que notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. Ah, oh, ça y est. Là-dessous, dépêche-toi. Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre, j'ai déjà ratissé cet étage 3 fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Quelqu'un ? Qu'est-ce qui se passe ? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais ! Vas-y, prends la clé et on s'arrache. Non mais sérieux, comment t'as... Vas-y, prends-le. Oh, la poisse. Qui est là ? Ah, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise ? Non. Cours ! Oh. Hey ! T'abuses ! On va se faire arrêter ! Faudra d'abord qu'il nous attrape. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère. T'as toujours la clé? Ouais. Y'a plus qu'à passer ces portes, et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu, j'ai une idée. Bah attends, je fais quoi moi? Tu te fais pas jamais? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Police, dépêchez-vous! Sérieux? Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. Je suis sûr qu'il se planque dans le coin. Mes hommes cherchent. Mais on a besoin de votre déposition, vous avez vu quoi? Eh ben, Rick Labourique, enfin, je veux dire, le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez, il se fait souvent des films dans ce genre-là. Des films? On peut savoir ce que vous entendez par là? Eh ben, il tire parfois des conclusions hâtives. Ça fait des années qu'il croit que l'école est hantée. Mais c'est pas un fantôme, c'est des gamins qui se foutent de nous. Des gamins? Ils sont plusieurs? Bon, ça je peux pas en être sûr, mais ça me paraît évident. Vous avez vu quoi, précisément? Eh ben... vous les avez vraiment vus? Pas vraiment, non, mais je les ai entendus, hein. Et comment vous savez qu'ils sont plusieurs? Mais vous devriez pas être en train de les chercher. Ils sont sûrement en train de se parer, là. On reprend, si vous voulez bien, hein. Vous avez entendu quoi? Ben, j'ai entendu du bruit dans la cage d'escalier. Et ensuite, j'ai entendu des pas qui s'éloignaient dans les couloirs. Enfin, j'ai pas vraiment entendu des pas, mais... Qu'avez-vous entendu? Disons plutôt que... j'ai senti qu'il y avait quelqu'un. J'ai l'impression que c'est vous qui pensez qu'il y a un fantôme. Mais c'est pas un fantôme. Wow! On prend une photo. Ça dure plus longtemps. Et dehors! Allez les enfants, on sait que vous êtes là! C'était quoi ça? On va faire péter le mur de la sono! Très bien. Plus qu'une seule personne à éloigner.
Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ces gamins et leur canular débile. Comme super. Si j'avais le temps pour ça. Je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Il doit être en train de m'attendre. Elle a sûrement préparé du pop-corn et le thé que j'aime bien. Je l'ai. Oh, comment je me sors de là maintenant? Just wanna tell you how I'm feeling. Sale gosse, il est dans le bureau. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you know. Ok, c'est tout pour moi. C'est bon. Il faut se planquer. C'est pas la police. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Peter, tu nous excuses une minute. Quoi ça? Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. J'ai eu une seconde chance. Et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Wow, ça fait... beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets, et on en discutera plus longuement. Ça marche? Ça marche. Pete, on va guérir le monde. Miles, t'es occupé? Qu'est-ce que tu veux, je suis partant. Soin d'aide pour une mission de babysitting, Aura. Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route?
regarde pas comme ça, pas. Je m'accorde une pause. Hola, mijo. Ça se passe bien, ton essai? Ça se passe. Mais je vais faire un tour, puis t'as besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, hey, ça va aller, moi. Espera un momento. Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvée à travailler tard, et où moi aussi je travaillais tard. Eh ben, en fait, j'étais pas au travail. Mais regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... J'étais à des rendez-vous. Galants, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois, et... Et ça se passe plutôt bien. Où tu veux en venir, moi? J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelon. Je suis sûr que je peux me trouver des speeder trucs à faire. Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qu'il te rencontre, lui aussi. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. Non. Tu sais, tu m'as eu à patelon. À plus. Ok, bien sûr. Il faut que j'aille au raft.